Salut les amis, bienvenue sur NPI Multi Gaming. Nous sommes en partie sur Anti-Lag aujourd'hui sur House Flipper. On va faire quelques petits ménages. Tranquille. Là. Et on commence une partie toute nouvelle. Voilà. Et c'est parti, voici mon bureau. Je vous avoue, c'est pas propre. Ah, ménage. Comment ça va? Moi ça va impeccable. Alors voici. Si belle journée. Tout propre, on est pas en mesure encore de spin. Ok. Mon dieu, c'est vraiment le foutoir. C'est pas grave, on va nettoyer quand même. Oh. Ton ordinateur portable, l'ordinateur portable te permet de trouver des chantiers, d'acheter des maisons et de passer de l'un à l'autre. Tu ne peux pas encore te permettre d'acheter une maison, mais il semblerait que j'ai reçu un mail pour ton premier chantier. Ok. Ok. Après, je vais te mettre un chez moi quand même plus propre. Les amis. Voilà. Sandra Ziegler. Venez, c'est parti avec mon radiateur. On va aller voir. Bonjour, je voudrais confier à votre entreprise la remise en état de ma maison. Je sais grâce à la photo sur FacePam. Que mon aide pour se brancher est entré par réparation chez moi, qu'il a mis le bordel et qu'il a emporté le radiateur. Il est possible qu'il manque encore quelque chose. Je vous demande de bien vouloir remettre de l'ordre dans ma maison et de remplacer les équipements manquants. Je vous demanderai aussi de ne pas informer la police de tout ce qu'il s'est passé. Je m'engagerai directement avec mon ex-ami quand je reviendrai de mon voyage de père. Salutations, Sandra Ziegler. Allez, c'est parti. Toute première mission. Alors, tu as débloqué le ballet espagnol. Oui, félicitations, tu as débloqué le nouvel outil. À partir de maintenant, tu peux nettoyer les salissures en utilisant le ballet espagnol. Oui, d'accord. On m'a foutu le siècle, mon enfoiré. Hmm?
J'ai déjà fait une partie avant, mais puis ils ont fait des mises à jour pour ça, là. J'ai décidé de faire des lives dessus, en partant de zéro. C'est partout, mais c'est pas là. Ouais, pour chevrier à la maison. Ok. J'ai fait un premier tour. Et petit balai. Le petit balai magique. Je voudrais bien qu'en vrai que ce soit pareil. Arrive dessus, hop, ça efface. Et pas tout. Allume la tablette pour choisir comment tu veux utiliser le point de capacité que tu viens de gagner. D'accord. On verra après. Voilà. Nettoie la maison. Tout ce que je peux voir. Et on va faire les améliorations. J'ai scanné à 80. C'est une tâche que ça. Alors, on va sortir la petite tablette. C'est pas là. C'est tablette. Voilà. Vision.
perspective. Tu vois quelques. Bien sûr. Hein? Oui, je pas. Si je cliquais pas, il fallait, ça allait pas. Allez, comment tu vas-tu? J'adore ce jeu. Ah, ça va, Juju Balfeta. Ma souris. Ah bah c'est cool. Bon, moi aussi ça va. Allez, hein, on n'a pas trop le choix de faire aller. Ça va pas. Faut faire aller. Parce que là ma souris. Oui, ça fait une mise à jour là sur le jeu là. Avec une nouvelle mission. C'est peut-être pas dans la salle de bain, c'est peut-être ailleurs. Acheter. Ok. Viens, je vais te le taper là, quoi. Ma souris elle bouge toute seule. Bonne. Hey. Voilà. Et c'est 100%. Voilà. Allez. On va y enlever ses chaises. Mission terminée.
Ah non. Les mises à jour. Bon, je te laisse, bonne fin de live et bonne journée. Je te remercie, Juju. De même. Désolé, hein, j'étais obligé d'aider madame. Un petit souci. Ok, c'est reparti. Je peux. Voilà, on va donner un petit coup quand même. Bon. Merci, pas grave, t'inquiète. Ok. Et voilà pour la deuxième mission. C'est le Alpha Marcel. Ouais, ça va et toi? Alors, Caroline Marc. Nettoyage du garage. Allez, on va faire son nettoyage du garage. Voilà, bonjour, pour tout dire, il faut nettoyer mon garage. Jeter tous les cartons, les poubelles et les vieux pneus. Pensez aussi à faire les outils. Le mieux, c'est de ne pas les toucher. Mon mari n'aime pas quand on les déplace parce qu'après, il ne les retrouve plus. Salutations, Caroline Martin. Ok, c'est parti. Alors. C'est quand déjà le live avec le truc à gagner. C'est jeudi soir à 20h30. Voilà. Ouais, parce que voilà la journée j'ai ma petite famille hein. Là, je peux pas faire la journée, je suis désolé. Et j'essaierai un jour d'en faire en pleine journée et je te promets rien.
J'aurais préféré la journée, mais tant pis. Je vais devenir. Ok. Et je pense à un jour, j'en ferai un en pleine journée. Et là, quand, je sais pas. Ça dépend de mon travail, tout ça. Ma santé. Jusqu'à quelle heure? Ben, moi je suis dispo à, de 20h30 à 21h après 22h à minuit. Alors aujourd'hui je live jusqu'à allez, 17h au maximum. Ce soir je suis au taf. Voilà, je ne vais pas live ce soir. Et je serai là à partir de demain. Jusqu'à vendredi. Ah, la musique est un peu trop forte. Attends, je la baisse un petit peu. Bouge pas. Ouais, je sais bien, mais voilà. Je fais par rapport à mon travail aussi. Bon. Est-ce que c'est mieux là? Les gens que... Ah, mais là, il y a de nouvelles dispositions qui sera prises pour le tirage soir. Tout sera dit jeudi soir. Que tout le monde puisse avoir leur chance. J'espère que c'est pas le dernier. Ah, le dernier là. J'espère que c'est pas si vous avez déjà gagné. Ah, le dernier là. Ah, c'est pareil. Ah. Non, c'est pas ça. Ah. Comme ça que je pense c'est que le truc c'est des rien qu'à déjà gagné pour pas gagner deuxième fois dans la même soirée pour donner un peu plus de chance aux autres. Voilà, que je pense d'un côté que ce sera mieux pour tout le monde. Ouais, que je pense moi. Let the light shine through for you.
Ah, mon pauvre, t'es malade. Oh. T'as chopé quoi? La gastro? Imagine. Ah, c'est sûr avec le changement de temps qu'on a en ce moment. Voilà. Et ma mission est complète. Voilà. On peut s'en aller. Ah, j'ai fermé et c'est bon. Regardez pas mon bureau, il est pas terrible et dégueulasse. C'est le bazar total. Jack Graham. Ouais, pas de rayette. Bon. Quand il veut pas, il veut pas. Non, je suis là, moi. Alors, j'arrive. Il est dans 5 minutes. Ok. Voilà. Alors. Je dois payer pour quelque chose. Soit je suis pleinement satisfait, soit je ne paye pas. L'hiver arrive, les hivers sont rudes, et dans ma maison, il n'y a pas de radiateur. Un salon. Ok. Faire ça. Où il n'y a pas de radiateur. Ici. Voilà. Voilà, le radiateur est mis. Voilà, montage plus rapide. Carleur. Allô? Oui, salut. Ouais, salut. Comment tu vas? Bien et toi? Impeccable. Donc, on n'a pas le choix hein, d'aller. Mais ça va pas, faut aller. Ça va mieux depuis la dernière fois. Bon, on va dire ça. On va dire ça. Donc, pourquoi ça. Ça va beaucoup mieux, j'imagine. Moyen. Ok.
Et tu peux répéter si... Oh, bah vas-y, je te laisse parler. Et je fais tonnage des titres chutes. Voilà. Ok. Voilà. Il n'y a rien de grave pour l'instant. Plus chiant, c'est quand ça doit être au travail, non? Pour l'instant, au travail, ça m'est pas encore arrivé. Ben, j'espère pas pour toi. Je croise les doigts. Pourquoi t'as dû rallouer aux urgences? Ah, non, non, non. Et... pour l'instant, j'arrive à faire maintenir. Mmh. Tout. Ok. Ouais, tu voulais dire quoi? Ouais, tu peux répéter qu'est-ce que t'as dit pour les règles? Parce que j'ai pas très bien entendu à cause de... Pour les règles, comme je disais, pour que tout le monde ait plus de chance par live, ceux qui ont déjà gagné ne pourront pas gagner le deuxième point. Tu veux te dire par live? Ouais. Non, c'est comme la dernière fois, c'est ça? Voilà, je sais que... Okay. Voilà. Sinon, si c'est toujours le même qui gagne, voilà, c'est pas terrible. Ouais, mais en plus, c'est déjà bien qu'il a gagné un truc, alors... Voilà. On va considérer DLC, c'est pas trop méchant, mais là c'est des cartes carrément. Alors voilà, que ça profite un peu tout le monde. Mais comme c'est des cartes instant gaming, comme j'ai vu, non? Ouais. Ah, ça sera mieux parce que Steam, c'est vrai que pour 20€, t'avais pas grand chose. En plus, quand tu vois que le jeu Steam, tu payes 20 balles et sur instant gaming, il a 5€. Ouais. Ah bah, c'est clair. Ouais, j'étais voir ça et non, c'est plus avantageux sur Instant Gaming pour tout le monde. Non, moi sur Instant Gaming, il faudrait que je me rachète un abonnement. Parce que mec, moi je suis joueur PlayStation. Ouais. Et PC, alors faudrait que je me rachète un abonnement pour jouer en ligne sur PlayStation. Mais... ouais. Faudrait que je vois combien ça coûte. Allez, go. Normalement c'est 60€ si ça peut me payer déjà la moitié. Ou coûte 3 quarts, un quart. Ouais, bah tu verras bien. Hein. Ouais. Après, là c'est des cartes. De toute façon, je l'ai mis dans l'annonce. C'est des cartes de 10€. Ah, ok. Ouais, mais c'est pas grave, ça peut toujours servir. Ah, bah voilà. Toujours plaisir. Hein. Ouais, c'était ça, j'allais dire. Ouais. Même pour ceux qui veulent farming, voilà, ça fait déjà 10€ moins d'années. Hein. Il faut dire que c'est vraiment un bouffe fric. Faire payer pour jouer avec des potes. Oh là là. Après, voilà. Ah, ils en profitent, hein. Après, ils passent aussi du temps à les faire les jeux, on peut pas croire. Hein. Oh, mais je te parle de PlayStation. Ah oui, PlayStation, oui. PlayStation, c'est vrai que... même Xbox, hein. Ouais, mais ça a toujours été. Mm. Pour moi, c'est pas surprenant. Pour toi, comment? Pour moi, ce n'est pas surprenant. Ça me surprend pas. Ouais. Hey. Faut bien récupérer du fric quelque part. Hein. Après. Ils en font déjà assez parce que quand je vois. Moi je vais souvent voir, tu vois, dans la boutique du PlayStation. Et quand je vois que GTA ils te le mettent à 70€ qui vaut plus rien, ça vaut pas trop le coup. Hein. Après, c'est pas question de le coup ou pas, mais voilà, c'est comme ça. Hein. GTA, il y a toujours des mises à jour que sur GTA. Hein. Le problème c'est que sur GTA, si tu commences maintenant, tu peux limite rien t'acheter en nouveauté, hein, je te parle. Parce que Toby, c'est de plus en plus cher les DLC. Alors, ouais, dommage, mais je sais pas. Mais moi sur PlayStation, moi je peux, tu vois, sur PlayStation, le truc qui est avantageux par rapport à la Xbox, c'est que par rapport à la Xbox, si t'as pas l'abonnement sur la Xbox, et ben tu pouvais pas parler sur avec tes potes. Ouais. Mais sur PlayStation, tu peux parler, mais pas jouer ensemble. Et je parle avec des gars, et les gars, ils me disent que sur GTA, ils reçoivent de l'argent quasi toutes les semaines s'ils jouent. Ouais. Parce que là, ma souris, mais... que je regarde dans le mieux configure. Ok. Il est bien, le jeu, toujours. Ouais, bah oui.
Pas mal. C'est un jeu de... pour la vie et tout, non? Ah, c'est une fait du nettoyage, tu rénoves les maisons, tout ça. Ok. Moi, c'est bien, mais c'est un jeu de simulation. Moi, je suis en train de chercher un nouveau jeu de comment ça s'appelle? De voiture, mais je sais pas quoi. Bon. Parce que Projet de corps, je l'ai déjà. Assetto Corsa, je l'ai déjà. J'hésite avec The Crew, parce que The Crew, il a pas l'air d'être mal. Le combien, le 1 ou le 2? Le 2? Ouais. Alors. Amandine Jackson, mur amarante. Ok. Bonjour, j'aimerais donner un petit côté artistique à la maison, tout simple que je viens d'acheter. Je vous demanderai de peindre les murs du salon couleur amarante, les autres murs en gris. Ça fera très joli. Ah, j'allais oublier. Merci de bien vouloir réparer les prises et les défectueuses. Merci par avance à Martin et Jackson. Il coûte combien ton jeu? Là, je sais plus du tout. Oui, ça fait un petit moment, je l'aime. Alors, c'est quoi, c'est... House, House, Flipper. Oh, ça vaut 12 € sur Instant Gaming. Voilà, sur Instant Gaming, il est pas cher. Alors, ici, on va faire pas de tâches, ok. Ah, pas de tâches. Ici, monter les équipements. C'est pareil, il faudrait que je change de volant. Parce que. Fou. Le mien, il commence à faire mieux. Ouais. Non, parce que c'est un vieux Thrustmaster. Il fait même pas un tour, il fait. Allez, à moitié, un demi-tour. Après, ça me suffisait. À la base, c'était pas pour jouer à ETS, c'était pour la Xbox et tout, mais. Après, je l'ai récupéré sur PC, mais là, je pense que je vais passer sur un G29. Le problème, c'est que les G29, ils sont pas donnés. Hein. C'est ça. Bah, ça va, parce que j'ai regardé hier ou hier, il y a 239 le G29, mais là, ils l'ont redescendu à 219 sur Amazon. Ouais. Comment... Quand je vois que sur le site officiel 399 €, ils doivent pas en vendre beaucoup, hein, je pense, hein, sur le site officiel. Je pense. Mais c'est vrai qu'elle est chère, le G29. Le G29, voilà, 219, ça passe encore pour moi. Mais 399, 400 balles sur le site officiel, vas-y, là, faut peut-être pas exagérer non plus. Hein. C'est ça. Pour 400 balles, tu peux limite avoir un Fanatec ou Thrustmaster. Ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein. Et le jeu 27, il est plus comment, en vente, alors sauf d'occasion. Le problème, c'est que 219, après, faut encore rajouter au moins 40 balles de boîte de vitesse. Je sais que les jeux pouvoir, voilà. Je passe au G29 et le G27 va pour mes enfants. Pourquoi tes enfants ils ont... D'ailleurs, j'ai en train de préparer un PC pour mes enfants là pour le mois de novembre. Oh. FS19. Ah, oh, ok. Ça va être un PC gamer? Ouais, ouais. Ça va? Un qui peut que FS19 passe dessus. Bon, FS19, faut... T'as vu le trailer officiel? Il est beau, hein. Ah ouais, j'ai regardé. Magnifique. T'as eu des drapeurs. Par contre, je trouve que... Qu'il y a. Ouais, ouais, vraiment, il est stylé. Mais par contre, je trouve que... Faire le trailer officiel en août et mettre le jeu en octobre, je trouve que ça fait... Novembre.
novembre. Ouais. Novembre, c'est vrai que. Parce que s'ils mettent le trailer officiel, c'est que le jeu, il est pas loin d'être fini. Alors. Bah, c'est Gamescom bientôt. Hein. Bah, si, en ce moment. C'est Gamescom en ce moment. Ouais. Bah, c'est là-bas que le trailer a été annoncé. Et qu'a été mis. Voilà. Ça, c'est pour la Gamescom. Monter les équipements. Il va être en précommande quand il fait ce 19? Il est déjà en précommande sur. Instant Gaming, il y est. Sur quoi, ouais, mais. Pas sur Instant Gaming, sur Steam. Ok. Et c'est 60€ ou. Il a 39 et les boîtes. 39, c'est pas cher. Merci pour le pouce bleu, Scania 80. 39, je me demande sur. Parce que moi, je pense que je le prendrai sur PS4. Je sais pas à combien il va être sur PS4. Le PS4, faut compter la 60€. Je crois pas, parce que FS17, il l'avait mis à 49, alors. Là, il est beaucoup plus lourd que le FS17, hein, le 19. Mm. Bon, là, moi, avant de l'acheter, quand même, je regarderai des vidéos. Parce que je vais pas quand même l'acheter et que. Moi, le truc qui m'intéresse beaucoup, c'est les chevaux après. Ah, bon, moi ce qui m'intéresse, c'est que tu peux faire ta ferme toi-même maintenant. Ah, ouais? Ouais. Tu peux jouer en multi, chacun peut faire sa ferme. Mais ça, je sais pas comment ils vont faire, si ça va être des fermes déjà faites et qu'il faut les rénover non, ou si... Non, chacun peut faire sa ferme. Comme... Oui, il veut. Ouais. Par exemple, il achète sa zone et hop, il peut construire dessus. Mais les bâtiments, mais ça va être un objet à placer, non? Ouais, c'est des trucs à placer, ouais. Mmh. Et évolutif, tu vois, ils peuvent évoluer. Parce que putain, construire vraiment à la main, ça va pris. Après, il y a les chiens qui ont l'air d'être pas mal, mais s'ils te suivent partout, ça va être un peu chiant. Pourquoi? Parce que, mec, dis-toi que t'es en train de. Dis-toi, si vraiment ils te suivent vraiment tout le temps partout, je trouve que c'est chiant. Mais. Bah, ça dépend. Non, c'est vrai que ça dépend, qu'est-ce que tu veux faire, mais. Ah, tout dépend après. Oh, ça commence à être chiant, cette tuerie là. Moi, le jeu que j'aurais bien voulu qu'il serait sorti sur PS4, c'est Euro Truck. Mais je l'ai sur PC, mais le site que j'aurais bien voulu, c'est lui. Ouais. Ça tira jamais sur. Faut déjà du temps. Faut voir s'ils en font un prochain. Ah bah ça. S'ils en font un prochain, espérons qu'il est sur PS4 ou je sais pas. Alors, peindre les couleurs. Aventure et. Aventure marrante et gris. Ok. Peinture. Oh, c'est chiant ça. Tes enfants, alors, ils vont avec toi, non, là. Au départ, ils iront en solo, le temps qu'ils s'habituent, tout. Ouais. Le problème, c'est que je pense que ça va leur faire bizarre de tout ce qui est... Tu vas leur donner les boîtes de vitesse et tout, non? Oui, ils le feront automatique. Ah, bah ça, c'est vrai que... Ils ont quel âge, tes enfants? Ah, plus grand, il a 14 ans. Ah, ouais, bon, ça va, je pense que... Oh. Aventure amarante. Ok, aventure amarante. Après, faut espérer qu'ils le brouilleront pas. Ah? Faut espérer qu'ils le brouilleront pas, le PC. Non, je serai à côté. Quand je suis à côté de moi, alors, on va pas faire la SQL.
à les clients qui veulent. Parce que c'est vrai que ça fout les boules, hein. Ces bruits au bout d'un mot. Non, je ne crois pas aller n'importe où. Non. Ça coûte assez cher comme ça. Mais moi, je trouve que ça peut être bien. Qu'on vive en même temps que toi et tout, vraiment. Vous avez la même passion et tout, c'est vrai que ça peut être bien. Oui. Non, c'est vrai que pas mal. J'ai 29, si tu l'achètes, je te conseille d'attendre. Parce que dans les moments de Noël, souvent, ils le mettent vraiment hyper bas, ils le baissent à 199, alors. Ouais. Ou attends, Black Friday, vers novembre ou décembre, je sais plus c'est quand. Ils te le baissent vraiment aussi, là. Bah, ce que je vais faire. Le Black Friday, je crois qu'il le baisse à 199 ou même en dessous, mais ça m'étonnerait. Non, moi, j'en ai vraiment besoin maintenant, alors... Plus avec... J'ai un pote qui va l'avoir à Noël, ouais. Mais je pense que moi, je vais le prendre beaucoup avant, là, début septembre, je vais le prendre. Ouais. Ouais. Bon, parce que rouler avec un vieux volant tout pourri, c'est bon, ça commence à me gonfler. Ah, bah, le volant, je suis même pas sûr qu'il fait... Je crois qu'il fait 180 degrés, même pas. Mais alors, ça se passe comment avec un G29? Parce que j'ai, tu vois, il y a des jeux de voitures. Les voitures, ouais. Ils font pas deux tours. Comme ouais. Dans une vraie voiture. Et dans les jeux de voiture, bah, le volant, il va faire quoi? Il va être bloqué autour de la voiture qu'elle peut faire ou... Après, tu peux programmer tout ça. Ah ouais. Et... Et moi, le volant, aller de temps en temps sur OTS et tout, mais ça sera beaucoup joué au jeu de projet de corps et tout sur PS4, parce que... Ouais. Je sais pas qu'est-ce que j'ai une baisse FPS par rapport à d'habitude. Ouais. Plus, t'as vu la mise à jour Windows, il y en a, ils sont pas optimisés, ils te font bugger tout. Ah ben là, oui. C'est surtout la mise à jour Windows 10 professionnelle. Elle fait bugger tout en ce moment. La seule qu'il y a eu il y a pas longtemps, elle laisse tomber. Le pire, c'est pour jouer à GTA RP. Oh là là, le bordel. Ah ouais? Oh, ça te fait tomber que dans des sessions où t'es tout seul, où il y a aucun joueur et tout. Ça fait bugger tout, et surtout les autres mises à jour, c'est surtout la Windows 10 professionnelle. Mais sinon, non, les autres, ça a l'air d'aller. Ils font chier avec toutes leurs mises à jour. Donc ça, fout. C'est obligé par rapport au virus, malveillant, tout ça. Ah, je comprends, mais du tout, c'est chiant. S'ils feront encore des bonnes mises à jour qui sont bien optimisées, mais oh, quand tu vois que t'arrives même plus jouer à un jeu, et c'est pas la performance du PC, parce que je me suis renseigné, c'est... T'as beau avoir un PC à 4000, 5000 boules, si c'est Windows, tu pourras rien faire. Ouais, bah ça. T'as pas de problème là-dessus, toi? Non. T'as Windows quoi, Family, non? J'ai Windows 8.1. Ah ouais, bah, toi t'as 8. Moi j'ai le 10. Le 10 c'est bien, mais voilà. Comment le 8 c'est bien? Ah, je disais le 10 c'est bien, mais sans plus. Quand je dis au bout d'un moment, je pense que tu devras passer sur le 10, toi, parce que. Il y a pas mal de jeux qui vont commencer à être. Que sur le 10 un jour, hein, je pense. Hein. Ah, mais pour l'instant, voilà. Tu me dis si je touche de mon clavier, c'est tout. Ah non, mais t'inquiète. Essaye de taper le moins fort possible. Mais... Y'a pas de sushi.
Mais là, pour tes enfants, t'as commencé le PC. Ah? T'as déjà commencé le PC pour tes enfants? Ou tu veux encore acheter des pièces? J'ai encore des trucs à faire, mais. Quelques pièces à acheter, et voilà. On va leur mettre quoi comme processeur, hein, i5? Ouais, i5. Et quoi, graphique? Quoi, graphique, j'ai dit 750. Ah ouais, tu vas l'acheter d'occasion? Non, je l'ai déjà. Ah, pourquoi t'en as une? Ah oui, j'avais déjà la GTX 750. Mais ça, ça va faire tourner au moins la FS, la 750. Ouais, oui. Sauf que c'est vrai que la 750, la GTX 750, elle fait pas mal de choses, mais je m'attendais pas qu'elle fait tourner UTS. Oui, si. Qu'elle fait tourner Farming 2019. Oui, si, ça va le faire tourner. Après, j'ai envie de te dire, elle fait bien tourner GTA, alors pourquoi elle ferait pas tourner Ah oui. C'est vrai que c'est ça. Mais Farming, d'habitude, ça sort quoi? C'est toujours sorti en novembre. Ou en octobre. En octobre, c'est toujours sorti. Ouais, pareil, moi aussi, je me suis demandé. Et bizarrement, quand j'ai vu. Comment. J'ai vu novembre, je dis, c'est bizarre ça. Oh, vraiment, ça m'a étonné, novembre. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi mon live est bugué? Qu'est-ce qu'il y a, tu as un problème? Ouais, mon live est. Il a bloqué, non? Ouais, il bloque. Ah, je sais pas pourquoi. Oh, ça vient YouTube, ça. Alors. C'est bizarre, comme. Je vais aller voir aussi. Oui, bah, je la vois. J'ai mis mon téléphone portable en plus et. Ah, c'est quelque chose. Possible, ça va bien, c'est. Alors là, ça va, ça commence à faire plaisir, mec. Tu vois, j'ai écouté tes conseils à partager le Discord à des potes youtubeurs. Ouais, c'est vrai que ça commence à faire plaisir et commence à y avoir pas mal de monde. Ah, bah, toi. Ah, c'est vrai que après, faut toujours faire gaffe des rageux, mais si jamais déjà ça prend pas mal. C'est clair, t'auras toujours des rageux. Ah. Bon, il commence à me saouler, cette souris-là. Pourquoi elle a quoi? Elle marche plus. Elle revient toujours au milieu. Je sais pas pourquoi. Mais ça, c'est bizarre. Ouais, avant, ça faisait pas. Et c'est quoi comme souris, une logique avec le. C'est une souris gamer. Ok. C'est une souris de vraie marque ou c'est une entre guillemets made in China? Je sais pas. Mais je sais que c'est une souris gamer. Sinon ça va mieux mais t'as pas eu de problème avec les autres casques? Non. Non ça va. Je pense qu'en fait ils ont arrêté. Ils ont d'autres occupations. Ils sont en train de sûrement encore en train de casser les couilles à quelqu'un d'autre. Bon après c'est pas mon problème. Non, c'est pas moi. Bon pour moi. C'est parce que je pense qu'ils veulent pas arrêter là. Le problème c'est qu'ils t'ont pas encore retrouvé ça le truc. Mais t'inquiète, je pense pas qu'ils t'ont retrouvé. Alors ton lit savait quoi? Ça va bien. Oh, c'est bon, ça a l'air de remarcher.
Ouais, c'est toujours. C'est pénible ça. Faut un gros PC pour faire tourner et tout. Ah, mais là, ça vient de. Ça vient pas de moi. Ça vient de chez eux, ça. Eh, ça vient de chez eux. Là, je suis dans le vert, tout est nickel, j'ai pas de perte. Ouais. Ouais, ça vient de YouTube. Bon, tu parles YouTube, il est pourri en 2018, entre guillemets. Ouais, il doit encore faire des mises à jour dans leur serveur. Mais c'est pareil, comment t'achètes un. C'est pareil, T'achètes un tel, putain, vas-y, t'as la dernière mise à jour de YouTube et tout. Et qu'est-ce qu'il y a, au bout de 3 mois, ton tel il est déjà rempli à cause de quoi? À cause des mises à jour de YouTube qu'ils ont fait tout le temps. Ouais. C'est ça. Et YouTube, à chaque fois, ils font trop de moches. Ouais. Il me casse les pieds, là. J'ai envie de te dire, si ça vient d'eux, tu pourras le faire. Hein. Ah, c'est. C'est parti. Non. Oui, ça vient d'eux. Ah, c'est pas. Oh, j'en ai plein qui me disent. Oh putain, vas-y, les pères d'FPS. Oh, vas-y, ils sont gros. Et moi, j'ai pas de perte, hein, j'ai rien. C'est juste un YouTuber qui fait. Oh, moi, c'est à cause de la mise à jour de Windows qu'ils ont sorti le. Je sais plus quand, la semaine dernière. Je me suis renseigné et tout, hein, sur des forums et tout, ils m'ont dit que c'était ça. Là, par exemple, là, d'habitude, Fortnite, je le fais tourner, tu vois, j'ai bloqué à 60. Je le fais tourner à 60 FPS tout le temps et tout, j'ai jamais aucun problème et tout. Et là, par exemple, je sais pas ce qu'il y a. Je joue à côté d'un truc, bizarrement, je suis descendu à 13 FPS et ça remonte à 60. Et 13, ouais, vraiment, c'est. Et quand ils vont s'apercevoir qu'il y a un blème, bah, ils vont changer. Oh. Pas pour moi qu'ils sont pleins. Hein. Je connais un gars, TRP. Il a un PC à 4000 euros d'après qu'est-ce qu'il dit. Il a un PC à 4000 euros. Même lui, avec sa tour, il arrive pas à faire tourner. Ouais. Déjà, il dit, hein, il dit si t'as. T'as beau avoir un bon PC et tout, si t'as Windows de merde qui te fait chier, tu pourras rien y faire. Et là, comme ça fait là, déjà. Ouais. C'est YouTube qui me casse les pieds là. Ils ne pouvaient pas faire leur mise à jour en pleine nuit. Oh ben non, t'inquiète pas, ils les font toujours pour casser les couilles. Plus le truc qui m'étonne, c'est qu'ils savent que c'est la période des vacances et tout, qu'il y en a pas mal qui sont sur YouTube. Pas. Bah, j'ai envie de te dire, ils s'en battent les couilles. Hein. Ils s'en battent les couilles. Hein. Du moment qu'ils ont leur 30% par les gros YouTubeurs tous les mois, ils s'en foutent. Hein. Oui. Oh mais vraiment ça fait bah là comment ça quoi là bientôt ça va bientôt faire 15 jours que Windows ça merde et ils ont toujours rien parfait. Oui. Ouais, moi au début je croyais que c'était un truc dans mon PC qui avait lâché ou un truc comme ça. Bizarrement pile après la mise à jour ou un truc comme ça. Et après j'ai demandé sur des forums
Perte d'FPS après mise à jour Windows, on va tout de suite trouver. Bizarrement, la mise à jour, quelques heures après la mise à jour, il y avait déjà plein de monde qui se plaignait. Ah bah ça. C'est comme ça. Non. Tu vas faire quoi? Tu vas arrêter ton live? Si ça merde comme ça, je n'aurai pas trop le choix d'arrêter. Mais je vois même pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des coupures entre. C'est là, c'est carrément arrêté là. C'est comme si tu n'avais plus de coup. C'est fait comme si que je dis plus en live. Ça cherche. Voilà. Ah ouais, bah ça, c'est sûr que ça vient pas de toi. Ah non. Non, c'est YouTube. Bah déjà, j'ai envie de te dire, tu vas sur YouTube, tu vois direct. Hein. Les gros YouTubeurs, ils doivent pas être en live aussi. Quand je vais aller voir. Si toi, t'as ce problème-là, eux aussi, je pense. Si je l'ai, elle doit l'avoir. Attends, je vais faire un tour. Sur Fortnite, on va dire entre guillemets que je suis en partie personnalisée. Ouais, je peux faire qu'est-ce que je veux. Ah putain, là j'ai encore des pertes d'FPS. Laisse tomber, bizarrement. Ça descend vers 13 FPS et ça monte. Ouais. Ouais, bizarre. Attends, je vais marquer. Ah bah tiens. Non mais pas besoin, je clique sur le sinon. Là ça m'a mis une erreur à se produire, tu veux dire essayer ultérieurement. Idée de lecture, là, pas bien. Ça va plus. Voilà. Une erreur s'est produite, vous voyez, restez ultérieurement. Le seul truc que je comprends pas, c'est que dans le chat, ben les autres, ils arrivent à voir le truc. Ils arrivent à voir le live. Je comprends pas. Ah si, moi ça marche. Mon live? Non, pas ton live, un live d'un autre. Attends, je vais aller voir sur ton live. Je vais fermer ma page, je vais la couvrir. Ah, moi ça marche. Ouais, bah, ça va être chez eux. Oh, ça me clote en train de peindre des murs, non? Ouais. Non, bah, ouais, c'est vrai, c'est pas mal. D'accord. Peut-être que tu auras des coupures de temps en temps à cause d'eux. Voilà, c'est pareil, putain, Fortnite, j'aimerais bien que ça croûte. Le problème, c'est que Fortnite, ça marche parce que c'est gratuit, sinon. Entre guillemets, sans Fortnite, y a que les noobs alors, ouais. Ou les gros joueurs parce que ils voient que. Mais je me rappelle que comment quand Fortnite il buzzait pas dans les tout débuts, j'ai joué vraiment, tu tombais vraiment que sur des bons et tout. Que là, quand Fortnite il a buzzé et que les noobs ils ont vu qu'il était gratuit, ah, t'inquiète pas là. Là, Fortnite ils lui ont fait la fête. Hein. Mm-hmm. Oh, maintenant, tu fais des top 1 comme tu fais des top 50, trop facile. Après, moi, perso, moi, je fais ça. Après, les autres, je sais pas, mais pour moi, c'est trop facile. Déjà, je suis sûr, quand tu tues quelqu'un dans une partie, derrière son écran, le gars, il doit être en mode pétage de plomb sur toi. Ah, ça se trouve.
Oh bah c'est sûr, hein. C'est sûr. Hein. Tu les as jamais vus rager sur YouTube, hein, les streamers. J'en ai vu des kikous vraiment en train de faire des. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils foutent sur YouTube. Laisse tomber, ils se sont tués. Après, moi je m'en fous. Moi je joue vraiment comme ça. Mais si j'ai envie de jouer à un autre jeu, je vais jouer. Ouais. C'est vraiment quand. Parce que, à ton avis, vu qu'il y a tout le monde qui joue, ben. De voir tous les potes qui jouent, alors. C'est pour ça que je vais continuer. Voilà. Après on va me dire que je suis un cancer, mais les mecs, tu vois, dans les petits persos et tout, des fois sur PS4, il y a des gars, ils font trop les fous. Là, je prends le clavier souris, je vais quand même direct, mais sinon, je vous manette. Mm-hmm. Ouais, qu'est-ce que c'est comme ça? Ça va, ton live il marche ou... Non, toujours pareil. Moi, bizarre, parce que c'est bizarre parce que moi, ça marche. Hein. Sur tous les lives YouTube. Hein. Je comprends pas. Et ça peut jamais arriver aux gros youtubeurs, hein. Ça faut toujours que ça arrive aux petits. Mais ça m'étonne, parce que t'as vu, j'ai l'impression qu'il y a même pas 3/4 de ta communauté qui s'est abonné à ta chaîne. Bah c'est vrai, je l'ai pas mis sur la chaîne. Ah ouais. Ah mais sur le Discord, y a pas mal de monde. On va dire qu'il y a même pas la moitié du Discord qui est. Ouais. Qui est à bord. Moi ça va, moi j'aime bien ton contenu, alors on va dire que je m'abonne, moi, sinon. Bon, je sais pas ce qui se passe à chaque fois qu'ils reviennent au début comme ça, c'est chiant. Avec la mise à jour qui a fait ça. Oh. Oh, je sais pas ce qu'il a sur YouTube, et c'est chiant. Et sur YouTube, je pense qu'il y a tout le monde qui est en train de se barrer sur Twitch. Mais... Ça descend. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi c'est ça. Moi c'est. Je sais pas parce que c'est quand même bizarre. Live sur le tien ça marche. Mais sur les. Sur bah toi ça marche pas. Alors je me demande quand même si ça vient pas de tout. Non, c'est moi OBS, j'ai pas de perte, rien. J'ai aucune perte. Et t'as essayé de comment ça s'appelle, d'arrêter le live que sur OBS et de relancer pour moi. Ah si j'arrête sur OBS, ça arrête tout. Ah ouais, toi t'as fait comme ça. Bah c'est normal. C'est OBS qui envoie... Ah parce que moi quand je live, eh ben moi faut que ça arrête, mais si tu rappuies sur comment ça s'appelle, sur redémarrer un streaming, eh ben ça recommence. Et ça reprend le même live, si tu changes pas la clé d'encodage et tout. Ah, tu cliques sur... Ah bah, moi c'est pour ça. Ah. Je sais pas. C'est la merdasse.
YouTube, j'ai l'impression que plus des années avancent, plus c'est de la. Enfin, une dernière mission, et je verrai la suite demain. Alors... Et tu vas faire combien, tu vas faire gagner combien de loups déjà pour les... 4. 4 trucs. Ouais. Bonjour, je m'adresse à vous pour vous demander de me vouloir rajouter un mur dans notre maison. Ma fille a déjà 3 ans et je pense que c'est le moment qui est sa propre chambre. Merci de bien vouloir séparer la chambre en 2 pièces, mais les 2 pièces doivent avoir une porte qui donne sur le couloir. Mettez un œuf dans la chambre de ma fille et vendez son lit. Merci à la solution. Ok. Mais sur le live de jeudi, tu l'as jusqu'à quelle heure, tu sais pas? Je sais pas d'heure. Parce que moi, faut que je vois si ça vaut la peine. Moi, je sais pas d'heure. Voilà. Toujours fonctionner comme ça et fonctionner toujours pareil. Parce que moi, tu vois, moi, si je viens, ça sera vers 22h30, tu vois. Alors, je sais pas si ça vaut encore le coup. Mais tu vas voir là, demain, j'en suis sûr, il va y avoir deux personnes. Juste parce que tu fais gagner un truc. On verra bien. Bon, moi je sais que sur les du pot et tout, à chaque fois qu'il faisait gagner un truc, il y avait masse de monde. Et quand il faisait des lives comme ça, il n'y avait personne. Juste parce que il y avait... C'est juste des gros, on va dire. Ils viennent que pour. Mais la première clé, tu l'as fait gagner vers quelle heure, je sais pas. Ça, tu verras ça au moment venu. Ok. Hey. Oh, ça évite que les personnes viennent vraiment que pour eux. Voilà. Oh, t'inquiète, mais aussi... Tu vois pas, on va dire, tu vois, s'il y a un truc à gagner, tu vois. Quand même, mec, même si rien n'a gagné, je viens quand même. Tu vois. C'est juste pour tenter sa chance. Hein. Si j'arrive et qu'il n'y a plus rien, mais c'est pas grave. Mec. Après, j'espère qu'il y aura du monde parce que s'il n'y a personne, faire gagner 4 clés à 2 personnes. Après, on verra. Hein. Parce que s'il y a personne, tu vas faire quoi? Tu vas faire gagner 4 clés ou... Je sais pas. On verra bien les gens. Jeudi, c'est quand? Quel jour? Mardi, non? Non, jeudi, on est mardi. Ouais, voilà, on est mardi. Pas demain, mais après-midi. Ok, ouais. 20h30, je passerai peut-être faire un tour, mais je me fous encore. Mais... Normalement, j'essaierai de revenir, mais faut pas que j'oublie parce que. Mais c'est pas chiant ton jeu à force. Non. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est une ou deux missions, ça passe, mais au bout d'un moment.
quoi ça? Moi j'aime bien. En plus là j'ai appris. Il y en a, ils ont réussi à faire un crack sur ETS, mais la dernière version qui est sortie, moi qui c'est dégueu. Il y en a, ils se cassent le cœur à acheter le jeu 5 balles. Il y en a, ils vont aller craquer ça. Ils craquent, mais ils peuvent pas aller sur le multi alors. Oh, bah tu parles. J'ai un pote, il a craqué le jeu. Laisse tomber, il a. Il a tous les DLC avec en plus. Oui, mais plutôt, il a peut-être tous les DLC, mais pas aller sur le multijoueur. Oh, mais ça, ils s'en foutent. Les... Si tu calcules tous les DLC, putain, on a pas peur. Bah, y'en a, c'est des bons, hein. Moi, mec, moi, je sais que je me suis cassé le cul hein, tous les DLC, donc il y en a qui les croquent. Ouais, mais la différence, nous, on a la possibilité d'aller sur multi. Ouais, non, mais voilà. Je vois. Moi, je suis banni, alors. Ouais. Alors, voilà, placer un lit. Hop là. Moi, je vais pas tarder à arrêter, je pense. Quand je vais aller voir sur moi. On plaît du jour. Moi, on vendait de bonnie, j'étais motivé pour faire les 100 000 kilomètres avant la fin des vacances. Ben là, dès que j'étais bonnie, ça m'a cassé en deux. Ah, bah ça. Bon, après, je m'en fous parce que je m'en rendais bien compte. Je passais trop de temps sur OTS. Ouais. Non, OTS, c'est vrai que. J'étais quasi. Il y a des jours où je me. Je sais pas quoi faire, après avoir déjeuné, je sais pas quoi faire. Je me mettais à jouer à ETS. Et là, je peux te le dire, vers 9h du matin, t'es tranquille sur la route de la mort. Ouais. Aucun bordélique. Nickel. Ça commence à se réveiller vers 11h sur la route de la mort. On a 1.32, j'ai hâte qu'elle sorte. Moi, là, 1.32, c'est surtout pour se balader avec les remorques vides. Moi, tu peux aller où tu veux. Bon, je vais te laisser. Ok. Pas de soucis. Ouais, allez, à plus. Ok, à plus.
Désolé, hein, mais j'ai un petit souci avec ma souris. Je regarderai ça tout à l'heure pour le prochain live pour que ça fasse pas pareil. Ah, c'est pas normal. On revient toujours au point de départ. Perte de temps et c'est casse-pied. Voilà. Mais c'est une tâche quelque part. Ah voilà, la petite prise qu'elle a. Et voilà. Alors, est-ce que j'ai gagné des améliorations? D'accord. C'est pas mal. Avant, on peut, on avait pas. Là, on peut placer où on veut. Ça, c'est cool. On met le système de clim, tout ça, on peut. Qu'avant, on pouvait pas. Ça, c'est une belle mise à jour qu'ils ont fait. Ça plus rapide. Déjà là on va améliorer le marteau. Voilà. Et ici. Et c'est le salaire plus important. Voilà.
Voilà pour ce petit live, les amis. Moi, je vous souhaite à tous très bonne journée. Et je vous retrouve demain pour la suite de House Flipper. Allez, ciao, bye bye. Bonne soirée.